Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter d'un drama qui est arrivé incessamment sous peu. L'affaire Pirorka, suite et pas la fin. Alors, pour ceux qui ont suivi, j'avais déjà fait, je sais plus, une ou plusieurs vidéos traitant le sujet. C'était, alors, le résumé de l'épisode précédent, c'était la convocation. Il s'est fait convoquer par la police parce qu'il avait dans son. Bah, dans son dossier, j'allais dire. Il avait dans son ordi un dossier. Le dossier, le fameux dossier gamine, et bon, la police voulait en savoir plus de quelques reports et des vidéos à son encontre. Et puis, suite à ça, il avait fait une vidéo où il avait dit, ouais, c'était la bonne franquette, hein, les policiers, ils avaient rigolé, tout ça, tout ça. Et puis, bon, ils ont pris son ordi, et il nous a chouiné comme quoi il fallait. Bah, fallait acheter un autre ordi, je pense il a dû avoir une levée de fonds. Bon, maintenant, je dis plus qu'il y a des levées de fonds parce que, ou des appels aux dons, parce que, on prend des risques sur cette chaîne. Vous irez voir, mais je crois que c'est comme ça, de mémoire. Parce que c'est vrai que c'est un vieux truc, je pense que ça doit dater d'un an. Bon, j'ai pas regardé de quand ça date, mais c'est ancien. Et là, bon, la suite, c'est qu'il a fait une petite vidéo qu'on va voir comment elle s'appelle, un peu. Surprenante, hein, surprenante. Pensais qu'il voulait se faire oublier, mais non. Petite formation, tout ça, tout ça. Alors, avant de commencer, on a le temps de regarder un truc. Je voulais quand même un peu speedrunner le sujet. Parce que j'ai pas trop le temps, je vous avouerai, j'ai pas encore mangé. Bah oui. Ça avait bien vu l'état du sujet, je voulais pas vomir mon midi de sitôt. C'est vrai que c'est un sujet assez pénible à évoquer. Ah, alors Jim Force, vous avez été. Ah, vous avez dit non à 71%. Vous approuvez pas. Ouais, moi aussi, personnellement, j'approuve pas. Mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que, mais c'est vrai que il y a quelques gens de la putosphère où ils vont quand même assez loin à l'encontre de Jim, menace. Même ils ont dit, ils allaient foutre, je sais pas, dans sa valise un peu de coke ou je sais pas quoi pour qu'il se fasse arrêter. Là, à putosphère, non, là, j'approuve pas du tout de là où ce que vous allez. Peut-être en rétorsion, la Gym Force est justifiée. Mais ça, bon, on en reparlera prochainement. En tout cas, là, l'affaire qui nous intéresse, c'est une vidéo. Donc, on a plein qui ont été de leurs petites vidéos. Hein. Il y en a même qui vont très très loin. Les logs à la pédocriminalité décomplexée. Bon, bye bye la monétisation, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo à titre informatif. Et voilà, et là où commence le viol. Alors, petit résumé. Alors, bon, je vais pas faire. Enfin, si je vais faire un résumé, mais juste très très vite, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Où il explique voilà ce qui sont les coupables en conclusion. Bon, le truc qui m'a plus choqué, c'est que. Quand il y a une affaire comme ça, il n'y a pas vraiment de coupables. Qui sont les coupables? C'est tout le monde, personne à la fois. Des trucs assez très très ambigus, mais bon. La justice est quand même assez claire là-dessus. C'est quand même les gens qui sont impliqués, qui font l'acte, qui sont quand même à réprimander. D'ailleurs, les prisons sont. Il y en a plein, hein, des individus de ce genre. Donc attention les gars. Peut-être c'est un teaser, alors moi je voulais parler de l'aspect business qu'il y avait derrière. Alors pour ceux qui me disent bon, que je ferai la pub, parce qu'il y a une formation qui est sortie, que je fais la pub de ce genre de personnes de formation, je vous rassure, pour l'usine, on m'a fait la même, comme quoi je faisais la promo d'usine, que grâce à moi, on aura ramené des gens dans le projet et tout. Je vous rassure tout de suite, non. Il n'y a personne qui a été dans l'usine suite à mes vidéos, parce que. Comment il s'appelle? Il y a KB, lors d'un live, il avait demandé, il était curieux de savoir par qui vous avez entendu parler du projet. Bon, il y a eu bien évidemment Dieudo, Jim le Veilleur, et même étonnamment Ali, alors que lui, il était un détracteur au départ du projet pur et dur. Puis il n'y a pas Pougne, donc je vous rassure, là, il n'y a pas de risque que je ramène du monde pour ce type-là. Bon, après, j'ai pas aucun jugement, bien évidemment, on laissera la justice faire. Sa propre enquête et ses propres déductions, moi bon, je suis pas là pour ça. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que bon, suite à ça, bon, au lieu de se faire oublier, hein, comme je l'ai dit, il en rajoute une petite couche ou une petite vidéo déjà assez tendancieuse. Et là, bon, qu'est-ce qu'il fait derrière? Une petite formation. Une petite formation sur. Alors, il va falloir lire le descriptif parce que normalement,
Il doit avoir, je sais pas, un petit titre, la formation. On sait pas trop ce qu'on achète, mais bon, on est obligé de lire le petit speech. Bon, la page très propre, hein, franchement. Je suis assez content. Mince. Attendez, petit SMS en direct, mais c'est peut-être le plan. Comme je regarde. Ah, oh, si, c'est un truc urgent. Bon, je vais écourter très très vite. Bon, je vais juste lire le petit speech. Fresh Restart. Le fruit d'un travail de toute une vie. Changez radicalement votre perception de ce monde et tout ce que vous pensiez être vrai. Je partage dans ces cours le résultat de plus de 13 années d'analyse du comportement humain, de la société, des mécanismes fondamentaux qui construisent le fonctionnement de ce monde. Ça, c'est ambitieux. Que vous soyez en dépression, en recherche d'une meilleure fréquentation, en recherche d'une femme ou d'un homme, ou partagez votre vie en recherche du bonheur, d'un but, d'une passion, d'un objectif ou simplement curieux de connaître la vérité, alors ne cherchez pas plus loin. 6 heures de vidéo vous seront proposées pour vous partager ce qu'il y a à savoir pour comprendre tout ce qui vous entoure, de la simple relation humaine au fonctionnement général, constituant le gameplay de la vie sur Terre. Ces vidéos vous créeront des déclics mentaux, j'aurais dit. Je sais pas, il n'y a pas d'S là? Un déclic? Bon. Des chocs, bah là aussi pareil. Ouais, non, là, ça manque de professionnalisme. Vous permettant de réaliser un certain nombre de choses. Encore. Non, mais ça fait mal aux yeux, toutes ces photos. Que vous êtes ce que vous aimeriez devenir, vous pensiez exister, vivre votre vie. Alors même les tournures de phrases sont un peu bizarres. Ou vous aviez tort. Un refresh. Ah, c'est ça, un fresh restart s'impose. C'est un reboot, quoi. En gros, vous allez. On va vous faire un petit reset. C'est pas mal. Je ne peux vous promettre qu'une seule chose. Vous ne ressortirez pas de ces vidéos indemnes. Peut-être dans le mauvais sens. Peut-être que la promesse sera tenue. Mais peut-être votre mental va être un peu chamboulé. Donc, bon, après, il n'y a pas de format. Il a pas, enfin, il a pas de diplôme, il a rien. C'est juste du vécu. Bon, c'est un peu léger comme truc. Même extrêmement léger, mais bon, peut-être. Bon, apparemment, il y a de la demande. Hein. Déjà 33 élèves, c'est 200 balles. Vous faites vite le calcul, ça fait 6 600 balles. C'est pas mal. Alors, après, bon, après, il faut voir la petite vidéo. Bon, je regarderai ça en off. Alors, une vidéo, donc, ah oui, le contenu, c'est une méthode efficace avec explication et démonstration. Mais on sait pas trop, c'est très très vague, mais bon, il y a quelque chose. Franchement, si le truc était un peu travaillé, un peu plus ciblé. Sur le contenu, ça pourrait être très très bien. Sinon, une autre remarque, c'est le prix. Bah, généralement, pour une grosse formation comme ça, vous proposez jamais un prix aussi bas. C'est peut-être la réduc de la réduc. Vous proposez le truc à 1 200 balles. Vous mettez, bon, prix cassé, promotionnel, sous 15 jours même. Voilà, en fin de journée, vous pouvez bénéficier d'une promotion à 800 balles. Non, bien sûr, pas 800 balles. Vous mettez 799 balles, des trucs psychologique et ça donne envie d'y aller quoi. Mais là, ça fait un peu amateur. Mais peut-être c'est la première formation, donc il sait pas comment les petits codes de la formation, il connaît pas un peu trop. Mais pourquoi pas? Mais après, si c'est pas son domaine, je me demande mais pourquoi il a pas fait des. Je sais pas comme tout le monde, si vous voulez vraiment des. Parce que là, bon, le but du truc, c'est de se renflouer les caisses parce que. Il y a un payé à loyer, ce qu'il avait dit dans ses vidéos, la bouffe, électricité, gaz, enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de charges. Et voilà, on ne vit pas sur YouTube d'amour et d'eau fraîche. Hein. Le gratuit, ça va un moment. Moi, je suis d'accord, ils peuvent vendre des trucs. Parce qu'il y en a ouais, qui osent pas faire, qui osent pas dire qu'ils ont fait de formation, qu'ils ont été dans le dropship et tout, mais il n'y a aucun mal de vendre des services, je trouve. Ah tiens, il y a d'autres trucs. Ah si, j'ai. Ah non, mais je me suis dit, tiens, il y a eu un descriptif. Approfondi. Non, c'est cette vidéo 7 chapitres, cours de piano. Ah, c'est pas son premier coup d'essai, là aussi, j'étais vite en besogne. Mais on lui a pas donné des conseils comme quoi. Ouais, non, mais c'est les prix sont dérisoires. Franchement, ça. 20 balles, non, 20 balles, parce que les gens ils vont dire, ouais, mais c'est de la merde pour 20 balles. Je vais pas acheter ça. Et ils auraient raison. Non, 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 non. Après, ça augmente, hein, 20, 50, 200, 300. Après, c'est de quoi la prochaine étape, 500, 1000. On y arrive petit à petit. Ok, bon, il y a l'accueil, ok. Après, il y a la chaîne YouTube, les Twitch, les Tipeee, d'accord, tout ce qu'il faut pour faire rentrer la monnaie. Très, très bien.
Alors, j'en étais où? J'étais parti sur un truc là, sur les prix, sur les formations. Bon, je crois que j'ai oublié. En tout cas, on est en fin de vidéo. Je ferai un épisode 2 pour voir l'évolution du truc. Parce que y a un petit. Ah oui! Juste pour finir, c'était. Il aura pu lancer dans des ventes de NFT, hein, je sais pas, du loli, machin. Enfin, peut-être pas du loli, peut-être, parce que c'est. Là aussi, c'est des trucs à ne pas parler. Mais des trucs assez stylés, ouais, sur la musique, même des NFT sons, il y a plein plein d'idées que très très casse-gueule. En plus, le truc de la formation, du développement personnel, tout ça, c'est assez très très saturé par de grandes pointures déjà. On fera un petit top 10 un de ces jours, parce que c'est des youtubeurs que je suis. Et puis voilà, que j'ai à dire, suite au prochain épisode, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.